Grand bravo à notre DJ Arafat. Franchement, bravo, 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 DJ Arafat. Moi perso, tu m'as épaté et étonné sur cet album-là. Bien qu'il y a des critiques que je vais faire sur cet album, mais si je te dis, ou bien si je vous dis à vous fans du Coupé Décalé, que je ne suis pas d'accord avec cet album-là, et que moi-même là-même, je suis vraiment le premier sorcier de DJ Arafat. Parce que le mec, il a bossé. Il a bossé. Il a vraiment, 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 vraiment bossé. En tout cas, moi, je lui fais un pouce comme ça. Voilà. Il mérite même pas ça. Ça, c'est ça. Voilà. Bien qu'il y a des critiques que je vais faire tout à l'heure, mais c'est ce que j'ai envie de dire d'abord. Si ce n'est pas un décryptage que je veux faire, c'est juste un avis que je vais donner, un avis franc que je vais donner. Donc prenez la peine de bien écouter ce que je vais dire avant de commenter. Prenez la peine de regarder toute la vidéo avant de commenter. Voilà, c'est très important les Chinois, c'est très important les fans de Debordeaux, c'est très important les fans du Coupé Décalé, et même ceux de Serge Beno. Voilà, c'est très important. Prenez la peine de regarder toutes mes vidéos. Voilà. On dit que je parle beaucoup. Je parle beaucoup parce que j'ai beaucoup à dire. Voilà, parce que j'ai remarqué que quand tu parles peu, il y a des insuffisances et on te justifie ce que tu as dit là. Voilà. Donc ne juge pas au premier mot. Franchement, moi j'ai validé l'album. J'ai validé Renaissance de DJ Arafat. Ok. En tout cas, au regard des commentaires, au regard de ce que j'ai vu sur la toile, il y a un an qui disent la vérité, il y en a aussi qui jugent parce qu'ils ont envie de juger. Moi je donne cet avis là et j'espère que vous allez le partager avec ceux qui sont encore sceptiques. Et sceptique sur cet album de DJ Arafat là. Franchement, je compte sur vous pour le partager au maximum. Parce que je serai vrai et franc dans cette vidéo. Voilà. Côté arrangement, moi perso, j'ai validé. Hein. Tranquille, synchro avec la voix et tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à dire. On me dit que, à part Dos Abado, Enfant Béni, et le featuring avec Mad Gims et Biloko avec Fally, le reste c'est de la merde. Attends, vous détestez tant l'artiste? Ou bien c'est juste de la jalousie? Écoutez bien ma vidéo, hein. Les critiques que je vais faire là. Quand vous allez réfléchir, vous allez dire, ah, le mec là, il a raison. Et c'est ça, ce sont les vraies critiques. C'est pas que l'album de DJ Arafat n'est pas bon. Il est super lourd et il est super bon. Il y a un bémol dedans que je vais dévoiler dans cette vidéo là. Donc prenez la peine de la regarder. Et partagez là, les amis. Partagez là. Voilà, on était là à minuit là. Voilà, à minuit. On attendait tous l'album. Moi, je suis rentré directement sur mon Deezer. Bam! Télécharger l'album tranquille puisque je suis premium. Voilà. Je comptais même acheter encore l'album en physique dans une station Total. Mais hier, malheureusement, les CD n'étaient pas encore dans les stations Total. Je ne sais pas si aujourd'hui ils seront dans les stations Total. Mais jusqu'à hier, les CD n'étaient pas dans les stations Total. Et l'album coûte 5 000 francs seulement. 5 000 francs seulement, les amis. Donc, franchement, je compte vraiment sur les fans du Coupé Décalé, pour apporter un soutien vrai, franc à DJ Arafat, parce que le mec, il en veut, c'est un bosseur. Voilà, moi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, moi, je ne vais plus m'attarder dessus, mais je regarde le travail de l'artiste, je regarde l'effort de l'artiste. Ok. Voilà ce qui ne m'a pas plu dans l'album. Voilà ce qui, moi, m'a pas plu dans l'album. Je vais vous le dire maintenant. Voilà. Ça ne va peut-être pas plaire à certains Chinois, mais à certains Chinois pour comprendre ce que je dis est vrai. En fait, il y a une erreur que beaucoup d'artistes font. Beaucoup d'artistes, coupé décalé surtout, font. Comme quoi, le coupé décalé ne peut pas s'exporter. Or, ce qui est paradoxal dans cette réflexion, c'est que quand le coupé décalé était au beau fixe, était joué dans toutes les boîtes du monde, c'était le coupé décalé puis autant de Doug Saga, autant de Molari, autant de Pongo, c'est-à-dire de Kedjevara, c'est-à-dire c'était du coupé décalé pur, sans nuance même, sans mélange même d'afro, non. Mais malheureusement, je ne sais pas qui sont les conseillers artistiques de ces stars-là qui les font croire que non, le coupé décalé ne peut pas être dansé dans une boîte française ou même ne peut pas être dansé dans une boîte américaine. Donc, c'est pourquoi vous voyez un DJ Arafat sur 13 titres, 13 titres de son album, il nous offre un seul pur coupé décalé qui est, je crois, Nuage de Mélodie, je ne me rappelle plus bien du titre. C'est Nuage de Mélodie ou bien quelque chose de Mélodie là. Atalaku de Mélodie. Voilà, je crois, c'est ça.
C'est le seul coupé décalé sur 13 titres. Or, toi étant un porte-flambeau du coupé décalé, franchement, il faut qu'on le dise. Chinois, il faut avoir le courage de le dire. Ça n'a rien à voir avec que l'album ne se comporte pas bien. L'album mérite son 10 d'or. Ça, c'est rien à dire. Et puis, Dieu merci, puisqu'il se comporte bien actuellement sur les plateformes de téléchargement payant, il aura son 10 d'or. Mais ce qu'il faut dire, la vraie critique qu'il faut dire, c'est que DJ Rafat n'a pas été trop cool parce qu'il est à la base artiste coupé décalé. Il pouvait nuancer, changer un peu avec comme il a fait avec NASA et tout, mais retrouver que du coupé décalé. Au pire même des cas, remettre même ses anciens sons sur le nouvel album. Parce que cet album-là, il est pour d'horizon international. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont le découvrir. Il y a des personnes qui ne connaissent pas DJ Rafat qui vont le découvrir à travers cet album-là. Donc, s'il avait même mis des anciens sons comme Tapis Vélo, comme Truc Maploli, comme Mankaka, c'est faisable. Voilà, un album, c'est la compilation de tous tes singles que tu remets sur un CD pour en faire un album. Donc, il n'y avait pas de mal en cela. Mais je ne sais pas si c'est Universal qui l'a conseillé, mais si c'est lui qui s'est dit que non, si je fais du coupé décalé, ça ne va pas marcher. Prenons un exemple. Salif Keita, qui est combien de fois disque d'or, mais c'est de la musique mandingue, plus mandingue, qui lui a donné tous ces trophées-là. Comment il s'appelle Sidiki Diabaté, qui a eu, je crois, un ou deux disques d'or. Depuis un disque de platine, je crois. Hein. C'est sa musique mandingue qui lui a donné. C'est son style mandingue qui lui a donné. Même son père, qui a été combien de fois Grammy Award, c'est son style. C'est sa musique mandingue là. C'est sa musique de griot qu'il lui a donné. Donc, penser que le coupé décalé pu ne peut pas nous ramener un 10 d'or, un 10 de platine, un 10 de diamant, c'est archi faux. Ça va juste dépendre de nous, fans du coupé décalé, qui seront prêts à acheter massivement cet album-là, c'est tout. Et puisque il aura toujours des canaux pour faire la promotion de cet album-là, donc qu'il soit faux trap, qu'il soit rap, ou bien qu'il soit, il va forcément marcher. Moi, j'aurais bien voulu que DJ Arafat s'impose. Parce que sur 13 titres, un seul titre coupé décalé, franchement, c'est la seule que j'ai vraiment, vraiment pas aimé dans cet album-là. J'ai vraiment pas aimé ça. Ça m'a un peu choqué. Mais comme les autres titres aussi, qui sont bien vrais, trap décalé ou afro trap, ou rap même, c'était lourd. Ça, comment dire, ça a glacé un peu mon cœur en fait. Sinon, vous savez que ce que j'ai entendu, c'est pas faux. Tu peux pas être numéro du coupé décalé et puis tu fais sortir un album. Et puis c'est un seul titre coupé décalé, les amis. Si j'ai faux, dites-moi que je... si c'est faux ce que je dis, c'est faux. Dites-moi que c'est faux. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais je sais qu'au travers de ces critiques-là, au travers de ces vidéos-là, je pense qu'il va s'améliorer sur son deuxième album. Mais prions déjà Dieu qu'il nous ramène déjà ce disque d'or avec cet album-là. Moi, j'ai déjà acheté ici 10 heures et je vais acheter encore en physique. Et puis dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer mon album, mon CD. Voilà. Parce que moi, c'est vrai que je suis peut-être incompris. Ça, je vais plus me débattre à vouloir me justifier. Mais je suis adepte de la musique ivoirienne. Il y a un artiste comme DJ Mix aussi. Voilà, pour faire une petite parenthèse, qui lui aussi, très bon artiste coupé décalé, comme il a une belle voix, je ne sais pas qui le conseille, comme quoi il va faire un album et au regard de ce qu'il nous a montré, les petits bouts qu'il nous a fait écouter, il n'y a aucun coupé décalé dedans. Il y a certains titres coupés décalés que nous n'avons pas encore dévoilés, mais il y a pas, je ne sais même pas pourquoi. Le coupé décalé peut rester coupé décalé et puis on ramasse les disques d'or. Une musique s'impose. Pourquoi la pop musique s'impose dans tous les pays africains? Pourquoi le rap français s'impose dans tous les pays africains? Pourquoi la forme décalée s'impose dans tous les pays africains? Pourquoi mais franchement, c'est comme ça qu'on peut s'exposer aussi à l'extérieur. Et on l'a déjà fait jadis. Le premier artiste africain à rapper l'Olympia, c'est bien truc, comment il s'appelle? Baïs Pinto. Il faisait pas du rock ou de la pop, mais de l'R&B, non. C'est sa chanson de terroir là, avec sa voix. Il est resté fidèle à son style. Et il s'est exporté. Donc c'est la seule chose qui ne m'a pas plu. Et une autre chose que je n'ai pas encore aimée, que j'ai vraiment pas encore aimée dans cet album-là, c'est les morceaux clash. Franchement, quand tu dis que tu t'en vas chercher un album à l'international et tu te sens obligé encore d'envoyer des pics encore à tes mêmes victimes ou à tes mêmes soi-disant ennemis. Je pense que c'est pas professionnel. Parce que mine de rien, là, ces sommités là, ces people stars que tu as clashé dans ton son là, ont leur public. Et pouvaient inviter leur public à acheter massivement ton album. C'est des choses à éviter. Voilà. Tu n'en as même plus besoin. C'est pour ça souvent tu es controversé, tu es mal compris. Il faut essayer d'arrêter ça. Ça vraiment, j'ai vraiment pas aimé. Et c'était vraiment pas cool. Voilà. On s'attendait à tout sauf ça. Pour un album qui veut s'exporter à l'international, tu n'avais même pas besoin. Tu n'avais vraiment pas besoin de faire ça. Voilà. Mais c'est déjà fait. Voilà. C'est déjà fait. Et puis bon.
C'est DJ Arafat, hein. Tout ça c'est DJ Arafat en fait. Moi, je me concentre sur le boulot du mec, de l'artiste, et sur la promotion de la culture ivoirienne. Mais je tenais à dire vraiment que c'est son clash-là où tu envoies des pics à Serge Beno, à truc, les filles là, Nathalie Koa, Emma Loès, Sara Davila. C'était vraiment pas cool. Voilà, c'est un album. C'est un album qui doit se prendre à l'international. C'est comme si tu es en train de dénigrer des filles à l'international. Ça, c'est vraiment pas cool. Et la Chine a eu le courage et dit que Pirisama, on n'a plus besoin de ça dans tes chansons. Voilà, qu'il se concentre, qu'il fasse ses sons dégammage, qu'il fasse son texte. Et puis, et un autre problème, c'est que DJ Arafat, je pense qu'il a deux sujets dans ses chansons qu'il veut chanter en français. Soit il parle de sa galère, son passé, ou soit il parle de ses ennemis. Et ça, c'est à revoir aussi. Sinon, dans l'ensemble, l'album me va très, très, très bien. Et moi, héritage de Cherche TV, je le valide. Voilà, tout en laissant des critiques constructives. Donc, famille, je pense que je me débrouillerai à avoir le lien en description des vidéos, le lien iTunes où vous pourrez continuer à acheter l'album. Aujourd'hui, sur son conseil, je vous invite à aller massivement le soutenir. C'est la musique ivoirienne qui gagne, que Dieu vous bénisse. C'était Héritor, on est ensemble. Ciao, ciao.